Mesdames et messieurs, bienvenue au bulletin météo du 25 novembre 2021. Au sud du continent africain, à Madagascar, des pluies à caractère orageux sont présentes. La température maximale avoisinera les 27 degrés. Des pluies sont au rendez-vous également sur Johannesburg et Nairobi, où les maximales vont atteindre 20 à 27 degrés. Dans le bassin du Maghreb, la semaine était pluvieuse sur Alger et Rabat. C'est toujours le cas pour aujourd'hui sur les deux capitales maghrébines ainsi que sur Tunis. Le temps est assez froid avec une valeur de 16 à 19 degrés. Cependant, le ciel reste partiellement voilé en Europe avec une nébulosité assez dense et où des nuages bas nous donnent des pluies sur la capitale italienne Rome avec la maximale de 14 degrés. À Ankara en Turquie, une instabilité qui engendre de la pluie et de la neige, le thermomètre va atteindre les 7 degrés. Au Moyen-Orient, la stabilité y règne sur l'ensemble des régions. Un ciel dégagé avec quelques passages nuageux. Les maximales sont de 19 à 30 degrés. Au continent asiatique, un ciel plutôt gris dominera la capitale malaisienne Kuala Lumpur, où on a des pluies orageuses, idem pour Jakarta, avec une température douce, nous enregistrant entre 32 à 34 degrés. Dans la région Océanie, des pluies et des orages sur Sydney, Melbourne et Auckland avec des valeurs plus ou moins douces allant de 19 à 23 degrés. Outre-Atlantique, des pluies qui arrosent Ottawa et Seattle avec une valeur maximale fraîche de 4 à 8 degrés. En Amérique du Sud, toujours des pluies orageuses présentes à Bogota ainsi qu'à Buenos Aires et qu'à Caracas. Les maximales sont entre 16 et 32 degrés. Merci pour votre attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News. À bientôt.